Bonjour à tous et bienvenue pour un cours d'éducation aux médias et à l'information confiné à destination des élèves de 5e du collège Albert Camus de Gaillac. Euh, donc dans cette vidéo introductive je ferai d'abord un petit rappel euh, de la progression en EMI et de là où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous allons faire donc euh, avec ce contenu de séance et ensuite je vous présenterai de façon plus détaillée un petit peu les modalités de l'activité, comment ça va se passer, euh, etc. de euh, la façon la plus claire possible, enfin je l'espère. Euh, donc, pour replacer dans le contexte, euh, la progression en éducation aux médias et à l'information est à destination de tous les élèves de 5e du collège. Donc, euh, avant le confinement, nous avions presque terminé la première séquence qui était euh, euh, consacrée à Internet et au web. Donc, nous avions vu plusieurs choses euh, les aspects historiques, euh, les éléments de vocabulaire. Nous avions aussi réalisé collectivement une frise du temps, une timeline du numérique que, qui devait être exposée. Au CDI sous format papier, mais que euh, nous avons finalement euh, exposé de façon virtuelle. Je vous remettrai le lien en bas de vidéo, mais vous la retrouvez aussi sur le NT. Nous avions aussi questionné le modèle économique et un petit peu politique du numérique en abordant le modèle libre et le modèle propriétaire en opposition. Et enfin, euh, nous avions euh, parlé de l'impact environnemental du numérique à partir euh, de la lecture de ce livre, Moi, c'est Tantal. Que vous retrouverez donc au CDI à la levée du confinement et qui est vraiment très chouette. Euh, voilà, donc ça c'était la première séquence. Euh, donc pour la deuxième séquence, cette deuxième grande partie de l'année, on va dire, nous allons euh, davantage nous intéresser au web comme espace de partage et de publication. Et nous allons donc euh, parler un petit peu de ce partage de connaissances sur le web à travers euh, l'exemple de Wikipédia dans l'activité qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, euh, plusieurs aspects hein, pour questionner cet objet d'étude. Donc, déjà, Wikipédia, ça existe depuis quand Wikipédia, c'est quoi Wikipédia, ça fonctionne comment Et enfin, c'est quoi le problème avec Wikipédia Voilà. Donc, concrètement, comment ça va se passer pour vous Donc, euh, j'ai euh, créé un exercice interactif en ligne à partir de l'application euh, Cuisinière éditée par Canopée. Euh, donc je vais vous mettre dans votre espace classe. Euh, vous allez donc retrouver dans la sous-rubrique EMI euh, sur l'article séquence 2, séance 1, le partage des connaissances sur le web à travers l'exemple de Wikipédia. En cliquant sur l'article, vous aurez donc accès directement au lien de l'activité. Vous cliquez dessus, vous accéderez à une nouvelle page. Sur cette page, je vais vous demander de saisir votre pseudo en haut à droite. Donc ce pseudo, vous ne mettrez ni votre nom ni votre prénom RGPD oblige. Donc je vais vous proposer de mettre vos initiales, votre classe, suivie du numéro de groupe dans lequel vous êtes inscrit en EMI avec votre classe. Donc en gros, ça pourrait donner ceci, MG5B groupe 1. Voilà, tout simplement, ça me permettra de vous identifier et donc de corriger vos travaux. Euh, je vais faire en sorte que l'activité ne soit pas trop longue pour vous, parce que je sais que vous avez déjà beaucoup de travail et que ce n'est pas forcément évident de travailler de cette façon. 20-25 minutes maximum, je pense, à peu près. Euh, quand vous avez fini, vous enregistrez bien vos travaux pour que je puisse avoir accès à vos résultats. Euh, si vous avez le moindre problème, euh, que ce soit technique ou de compréhension des consignes, n'hésitez pas à me solliciter via la messagerie euh, de l'ENT, puisque vous avez, on a une discussion de classe tout simplement euh, en EMI. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions euh, par ce vecteur-là, j'y répondrai et j'essaierai de solutionner vos problèmes si possible. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que vous n'aurez pas trop de difficultés. A priori, il n'y a rien de méchant. Euh, L'activité va se baser sur euh, de l'image, des vidéos, des captures vidéo de mon écran. Euh, donc, euh, tout est là. Hein. Il suffit d'être attentif, de bien écouter. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Je vous souhaite bon courage et j'espère quand même vous revoir très bientôt. Et euh, ben, bon courage pour cette fin de confinement. Et à très vite.